Beaucoup de commentaires disent que je montre des événements qui sont déjà arrivés. Si vous regardez bien mes vidéos, je décrypte des événements qui vont arriver. Mais vous ne les écoutez pas. Ce quatrain, par exemple, vous prédit et vous fait comprendre, donne la description de la destruction des hommes et certainement de la race humaine. Ce n'est pas pour rien que j'essaye de vous réunir. Beaucoup d'entre vous désirent connaître l'avenir à condition que cela ne les dérange pas. Nostradamus exprime plusieurs formes de pensée. Chaque quatrain contient une parcelle qui annonce quelque chose. Il faut regrouper ces parcelles, ranger ces bribes de phrases, et ainsi nous obtenons un texte qui est révélateur de l'avenir de l'humanité. Ça, je ne l'ai pas fait. Disons que je ne l'ai pas encore fait. Maintenant, je vous dévoile les révélations contenues dans ce quatrain qui a été entièrement décrypté. Voici le quatrain numéro 18 de la 5e centurie. De deuil mourra l'infélix profligé, célébrera son vitrix l'hécatombe, pristine loi, franc édict rédigé, le mur et prince au 7e jour. Voici la ligne à l'endroit. De deuil mourra l'infélix profligé. Voici la révélation. De Dieu sera l'éveil, ce sera à l'aide de ce devoir que vous avez sous les yeux. Dans cette lecture, les mots élevés seront en cette époque qui sera gratté, effacé et brûlé. En ralliant cette lecture et ainsi faire les faits, ce sera l'élection de lecture. Ici même, par le pouvoir de l'air des mots, sera la prose qui fera cette lecture affligeante. J'ai l'aide de Dieu, son aide par l'éveil, en veillant sur les notes. Voici maintenant la ligne écrite à l'envers. Voici la révélation. J'ai élu par cette lecture seront à la bouche et aux lèvres les expressions. Ce sera le pouvoir de la prose, prophète par l'air des mots, en refaisant les usages, cela produira l'élection dans cette lecture ici même, qui sera sainte. Ainsi, elle produira les râles. Cette lecture marchera à bonne allure et remettront les mots aux lèvres et à la bouche, cela fera faire la grimace. Cette lecture, l'avoir de Dieu, ainsi que son aide, en dégelant la lecture, le pouvoir de la prose refaite, refera l'élection. Décryptage de la deuxième ligne du quatrain 18. Ce décryptage contient les analyses pour bien montrer la présence des mots, puisque ce sont les présages de l'humanité, le futur de la planète qui est annoncé dans ce quatrain. Voici en premier les analyses telles qu'on doit les pratiquer. Cette loi s'applique à tous les quatrains de la même façon, à l'endroit et à l'envers. Voici la révélation. De ce célèbre savoir sera scellé le flux et le reflux de la mer. Votre ère, son époque et les heures seront de raison. Les êtres auront les sons phonétiques contenant nos visions. Rapidement, la terre aura des batailles, des altercations. L'heure de la grande hécatombe est scellée dans cette connaissance. Rapidement sera l'atome qui sera la tombe des hommes. Ce livre de mots sera pour les hommes. Dieu célébrera ce savoir scellé pour la célèbre heure où tout sera rasé, gratté, effacé et brûlé. Voici les analyses telles qu'on doit les pratiquer. Cette loi s'applique à tous les quatrains de la même façon, à l'endroit et à l'envers. Révélation. Le flux et le reflux de la mer sera par des bateaux qui auront rapidement l'usage de l'atome. Tous les hommes sauront par cette connaissance scellée l'heure de cet héritage de bataille et d'altercation. Ici, ils sévissent. Les visions rapides par tes thèses issues des sons phonétiques feront voir l'énervement de ces heures rares, de ces rebelles ailés, ce sont les avions. Dans cette connaissance sera le flux et le reflux de la mer par des bateaux qui utiliseront rapidement l'atome sur les hommes. Vous en connaîtrez l'heure. Nostradamus a la particularité, lors de l'analyse d'un quatrain, de reprendre à la dernière ligne, ce sera le même principe pour tous les quatrains, reprendre à la dernière ligne de l'analyse les syllabes du début de cette ligne. Et souvent la lettre ou les groupes de lettres à rajouter changent le sens de la phrase. Cela s'applique à toutes les lignes des quatrains, sans exception. Marier la fin de la ligne avec le début de celle-ci.
Voici la troisième ligne du quatrain telle qu'elle se présente, à l'endroit. Voici la révélation. Le pouvoir sera pris de l'air des mots. Ici même sera tenue la naissance de la haute loi. Et l'entendre ici même. Tu feras en France ces années rances. À l'intérieur des mots sera la naissance de ce pouvoir qui fut cédé. Il faudra éditer les dires pour la terre. L'air des mots rédigé dira l'aide pour cette édition. J'ai l'arme de ce pouvoir pris ici même et tenir la naissance de la loi d'expression. Voici maintenant la ligne écrite à l'envers. Voici la révélation. L'aide de cette édition, une fois digérée, dira que dans le jeu des mots, j'ai géré les heures de votre époque. Sera redit dans cette édition les idées de tes thèses, qui seront faites en France, pour ces années racis et rances que vous avez. Les lois de cette connaissance ont été scellées par le Très-Haut. Cette loi entendra de loin le oint premier de naissance. Nettement tu tisses ici même, sire, l'angoisse de l'époque des pouvoirs des puissances. La paix est maintenant digérée. Décryptage de la quatrième ligne du quatrain 18. Ce décryptage contient les analyses pour bien montrer la présence des mots, puisque ce sont les présages de l'humanité, le futur de la planète qui est annoncé dans ce quatrain. L'analyse de ce quatrain est très longue, elle prendra 2 pages, mais la révélation est sur cette première page. Voici donc comment nous devons ranger les lignes afin d'obtenir les mots permettant cette révélation. Révélation du texte 3. L'émission sera émise par ce mouvement qui aura l'accusation imputée à ce temps qui sera tel. Ce pouvoir était pris de Reims, dont la première connaissance sera les eaux haussées, le savoir au 7e millénaire, les armes des pouvoirs pétrons. Tu tisses les usages d'expression qui deviendront cette émission en mettant les yeux sur ces jours. Vous aurez cela en cette terre dont l'époque prendra de la force avec l'atome. Elle sera les tombes des hommes. Ce livre de mots sera de Dieu, dont l'émission émettra ce mouvement où vous aurez les époques de ce temps. Le 7e millénaire a commencé entre aujourd'hui et il y a 40 ans. Je ne connais pas avec précision la date. Il y a trop de divergences d'opinion entre les chercheurs, les astrologues et les scientifiques. Voici la dernière analyse qui est également très longue. Elle sera construite sur 2 pages. Révélation numéro 4. Le feu et le reflux de la mer pour cause d'un boom. Les hommes feront des tueries. Tu as eu l'air des mots sous les yeux. Le Très-Haut élèvera l'homme qui mettra mes usages. L'essai sera cette connaissance, les armes des pouvoirs pétrons. Tu tisses ce savoir en connaissant le sceau. Les eaux seront haussées, les scènes de haine par l'emprise des pouvoirs. En cette ère sera le rituel de ce temps. Ce mouvement des mots, je l'ai hurlé. La durée d'existence sera limitée par le flux et le reflux de la mer. Une explosion et les hommes auront des tueries. Sous les yeux des hommes de Metz sera le message de ces usages de la connaissance. Si vous désirez me soutenir, voici les 2 adresses pour le faire. Même 1 euro sera le bienvenu. Merci infiniment pour votre don futur. L'association Terra Nova VAR a été créée il y a quelques semaines. Cette association est prévue pour permettre la permaculture ainsi que la mise en boîte des récoltes de légumes secs et tout autre aliment non cuit. Je regroupe toutes les personnes de bonne volonté qui désirent se regrouper sur la page Facebook à Terra Nova VAR. Vous pourrez ainsi faire connaissance de personnes de la même région que vous et prévoir ce que notre abus appelle l'issue, c'est-à-dire la construction d'abris, le stockage de nourriture. Mais pour cela, il faut vous regrouper. Sur le site Fedim Livres, vous trouverez tous les livres numériques. Sur le site nostramusbp.fr, toutes les analyses des textes de Nostramus, ainsi que tous les livres papier. Ces 2 derniers mois, je vous ai préparé une 30aine de vidéos, c'est-à-dire sur 30 quatrains différents.
Je les installerai petit à petit sur YouTube, à peu près une tous les 3 jours environ. Je vous remercie d'avoir participé aux révélations de Nostradamus et aux analyses. Je vous dis à bientôt.